Hello tout le monde, on se retrouve sur Pokémon Écarlate et Violet pour vous montrer comment débloquer la totalité des invités du club de la Ligue. Alors tout d'abord, on devra avoir terminé le disque Indigo pour pouvoir interagir avec les intervenants. Pour les personnages originaires de Paldea, l'invitation coûte 200 PM et il faudra les inviter au minimum 3 fois pour pouvoir les combattre, discuter et échanger un Pokémon avec eux. Après ça, leurs cercles deviendront dorés et on devra faire cela avec les 23 intervenants. Du coup, les 8 champions d'arène s'obtiennent automatiquement et on a Hera, Colza, Machine, Konbu, Okuba, Lime, Tully et Grusha. Et lorsqu'on aura complété les interactions avec ces 8 champions, on pourra inviter Alisma. Si l'on a toutes les interactions avec 3 personnages, on débloquera Cayenne et Poppy. Et on pourra inviter le proviseur Clavel si l'on a 5 cercles dorés. Ensuite, pour tous les professeurs de l'académie, il faudra aussi obtenir 5 cercles dorés, mais surtout, avoir terminé les cours et celui d'amitié avec eux. Parmi eux, il y a Jack, Mora, Taïm, Salvio, Elige, Asa, Saguaro et Mimosa. Et enfin, pour les 3 derniers, il faudra terminer l'épilogue de la nuit des Kibis. Après ça, on pourra inviter Menzi, Pepper et Pania. Pour les 7 autres, ils font partie de l'Institut Myrtille et ils passeront dans le club assez aléatoirement. Les personnes dans le club changeront tous les jours et on pourra retrouver Rubépin qui nous donnera 20 pics volcaniques et un Magby en échange. Nerine nous apprendra la réaction mini-cœur avec les doigts et nous échangera un Hermure. Taro nous offrira la coque Myrtille Blanc et nous proposera un Snubbull. Et grâce à Irido, on pourra s'habiller avec un survêt noir et doré et échanger un Duralugon. Mais aussi, on pourra retrouver Cassie et Roseille si l'on a terminé l'épilogue de la nuit des Kibis. Roseille nous offrira des lunettes effroyables et nous échangera un Poltergeist. Quant à Cassie, il nous donnera la coque Myrtille Noire et un verre pomme en échange. Et petit bonus, mais il existe un 30e intervenant si l'on affronte le baron du club de la Ligue. Attention au spoil, mais il s'agit de Ciano et il nous offrira 3 morceaux comètes et un Zébibron chromatique. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a aidé comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Tous mes liens sont dans la barre d'infos et moi je te dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye!